Oh uh -huh. uh -huh. Spécial élection, c'est une émission de Macro Digital Radio Télévision qui est émise depuis New York City avec Don KMB. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne. Et ceci, c'est après avoir fait une très grande observation. Le deux jours passé, j'étais sur les médias sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, qui est ex-ménant, Instagram, et puis TikTok. Euh, J'ai fait un constat vraiment amer euh, en termes de visibilité euh, de la campagne euh, de M. Félix Tshisekedi. Nous voyons dans nos groupes, euh, plus particulièrement les gens qui sont dans les groupes WhatsApp, vous voyez les vidéos ou bien les, les shots comme on les appelle euh, dans les termes actuels. Il y a trop de shots où on vous montre sa descente en telle ville, en tel euh, endroit. Et le message très fort et surtout la galvanisation de la population. Donc quand la population est galvanisée, vous sentez qu'ils sont en train de donner un peu de la chaleur. Mais est-ce que cela suffit? Puisque Félix Tshisekedi, il est candidat. Donc il doit aller vendre son visage et son programme à la population. Et la circonscription électorale du président Félix Tshisekedi, c'est la République démocratique du Congo avec ses 26 provinces et 145 territoires. Et il doit aller dans chaque province, choisir deux ou trois villes qu'il va visiter et cela ne veut pas dire qu'il a couvert toute la province. Et même les gens qui viennent à sa rencontre, suivre le meeting, suivre son programme, et surtout là, il faut insister que le programme dans la campagne électorale, on cherche à nous distraire. Les gens disent oh non, il doit présenter son bilan. Ce n'est pas le lieu de, de présenter le bilan. Il va en parler j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà où je suis, et maintenant j'ai besoin de votre apport pour parachever. Mais toute campagne, c'est parler de ce qui va venir, pas de ce qui s'est passé. Mais comme il est président, en exercice, comme il est président euh, qui a commencé à un certain moment et il continue à le faire puisque sa mission ou bien son mandat n'est pas encore terminé. Alors les gens vous diront, oh non, quand, pourquoi il parle de ce qu'il va faire demain Il continue à promettre. Oui, il promet puisque c'est un visionnaire. Un président ne peut pas s'éteindre et les gens commencent à spéculer qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il va faire. Il doit communiquer. Et en communiquant, on dit sa vision. Et cette vision, ce n'est pas une promesse, mais c'est une vision que nous voulons atteindre de, à cet endroit. Je voudrais faire ça, 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 ça. Mais ça, c'est ce que lui pense. Est-ce que ça va se faire Ça, c'est une, une autre paire de manches. Alors, je reviens d'abord à la campagne. Je veux arriver à, à ces détails après. Donc, Félix Tshisekedi, il va au Congo euh, central, il visite Tchela, il visite Boma, il visite Matadi, et il n'a pas le temps de terminer ça puisque le temps est relativement euh, court. Il doit visiter d'autres provinces. Quand il part, et après C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais nous avons constaté dans les forums, dans les médias, les gens ils sont là pour que lui fasse. C'est qu'il ne peut pas tout faire seul. C'est pourquoi on a mis en place une équipe de campagne. Et c'est cette équipe de campagne, je m'excuse de le dire, où il y a des failles jusque-là, des failles c'est à dire la communication. Comment voulez-vous le chef de l'État à Kinshasa, il va inaugurer un grand pont à Kinshasa. Et tout ce qu'on nous fait nous a fait voir, c'était l'achat des neufs. Chers amis, nous savons que le président de la République, c'est un homme social, c'est un homme de la base. Oui, il n'y avait pas de mal à nous montrer comment il communique, vous faire voir que non, je suis avec vous, je connais vos problèmes. Mais néanmoins, il a fait une action grandiose d'inaugurer un très long pont, très important pour la population qui vit dans, ces, dans cette contrée-là. Mais pourquoi vous n'avez pas montré cette inauguration Cette inauguration de ce pont-là est verbale, les gens n'ont pas vu. Où les images sont vraiment un peu rares. Donc, nous voulons avoir une équipe qui est payée, une équipe qui est euh, liée aux actions du chef de l'État en travaillant sur la communication. Nous ne devons pas continuer à faire de ce qui s'est fait la direction de communication de la présidence où les gens sont des bureaucrates et on s'arrête là. Combien d'histoires Félix a fait autour euh, euh, de, 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 du pays, mais au moins des histoires, il faudrait que bien les, médias, les médias sociaux, les gens, les jeunes gens aillent prendre des images pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais la communication de la présidence, elle est là à Je suis juste allé sur le site où je m'attendais à trouver des, 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 des éléments actuels, donc actualisés pour la campagne. Absent, rien. Mais quand vous voyez les autres maintenant, ils commencent à prendre les séquences du meeting réussi du président de la République. On coupe des, des, des séquences par les adversaires pour transformer ça. Que non, les gens ont dit ça. Et pourtant, quand on, on dit par exemple non, de l'autre côté, ce sont les gens qui ont qui ont dirigé pendant un certain moment et n'ont pas fait ça. Les gens crient Moïbi Moïbi. Alors ils pensent que c'est Moïbi là. On transforme c'est Moïbi. Qu'on est en train de parler de l'adversaire, on veut maintenant associer ça que ce sont les cris contre le chef de l'État. Qu'est-ce que la communication du chef de l'État fait Ça fait mal, les chers amis. Nous devons changer. Nous devons accepter d'impliquer tout le monde. Le chef de l'État, il visite la province. Quand il quitte là-bas, c'est peut-être 25 jours avant les élections. Et s'il partait... C'est fini. Donc, il y a un silence. C'est un autre candidat qui vient dire. C'est souvent le dernier candidat qui va passer là-bas qui va rester dans les mémoires des gens. Puisque le président est passé il y a 24-25 jours. Et les autres viennent passer il y a trois jours qui restent pour les élections. Avec des promesses, ça risque. Mais si il passait, le message continue à être répercuté dans les lieux. Croyez-moi que ça va rester. Et les gens sont tous enthousiasmé pour avoir vu les actions que le chef de l'État a fait. Vous avez dans des territoires qui n'ont jamais vu une école moderne. Aujourd'hui, il y a des écoles qui poussent des terres. Vous avez des centres de santé qui poussent de terre. Bon, quand quelqu'un reste de ces centres de santé à 50 km il ne peut pas le savoir. Nous savons que la plupart des gens, même dans les villages, quand ils cherchent à appeler les gens dans la diaspora pour être aidés, ils utilisent des téléphones. Et ces téléphones-là, actuellement, la plupart sont des téléphones euh, smartphones. Donc les gens ont accès à l'Internet et ont accès aux images. Mais nous devons tout faire pour que ces gens-là continuent à être bombardés avec des actions que le chef de l'État a parlé pendant son meeting. Parlons même du meeting en soi. Vous avez euh, 5000 personnes qui sont venues là-bas. Est-ce que ces 5000 personnes, c'est ça la population de cette province Est-ce ça la population de ce territoire Donc, c'est-à-dire, c'est une représentation. Ils lance le message à cette représentation. Il y en a qui reçoivent ce message. C'est comme une graine qu'on lance dans une terre arable. Maintenant, il faut répercuter ça et pendant longtemps pour que les gens continuent à croire que non, ce qu'on nous a dit, c'est faisable puisqu'on a vu le début du commencement. Donc, c'est très, très important pour les membres de la famille politique du chef, les membres de l'Union sacrée de la nation, je voulais dire. Donc, tous ces gens-là, nous ne voyons pas vraiment cet enthousiasme, mais nous, devons, nous voulons que cette histoire soit permanente jusqu'au jour des élections. Ça ne doit pas être ponctuel. Vous faites ça aujourd'hui, quand vous partez, c'est fini. Une autre personne vient avec des matelas, une autre vient avec des pagnes, le, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Donc nous devons aussi interpeller la CENI qui ne doit pas accepter qu'un candidat ne peut pas aller faire la campagne et corrompre la population. Vous allez donner des cadeaux pendant le moment électoral. Ça ne s'accepte pas partout. Ça ne pas. Si vous voulez faire des dons, faites des dons en dehors de la campagne électorale. Pas aller acheter de conscience. Donc, euh, l'interpellation ici est à l'UDPS comme à l'Union Sacrée. Qu'est-ce que je voulais dire en soi Donc, le, quand le président passe, on doit laisser une équipe de mobilisation. Et nous avons constaté sur les médias sociaux tous ces communicateurs, tous ces influenceurs du chef sont silencieux. Et leur silence est justifié par, ils n'étaient pas mobilisés et associés à l'action de la campagne. Ces gens-là, ils sont là, ils parlent, ils mobilisent, ils sont suivis. Alors maintenant, il y a des messages que le chef peut dire et d'autres messages que lui, en tant que chef de, de la nation, le père de la nation, ne peut pas dire. Les autres les diront à, à haute voix. Des peurs que ce soit mal interprété. Comme les autres ont fait des meetings disant que nous sommes en train d'implanter le parti, ils sont en train d'inviter les gens à la violence et à haute voix et à visage découvert, mais rien ne s'est fait. Là, nous regardons aussi le vice-premier ministre, euh, ministre de l'Intérieur. Il doit suivre ce mouvement-là. Nous sommes très contents, par exemple, de son implication personnelle dans cette affaire de Marimbankoulou. Et nous sommes aussi contents de voir que les responsables du Katanga ou du Haut Katanga étaient chez le chef euh, Lukombo euh, Akasubalesa. Donc, on a eu un message clair et fort. Ce que les Congolais doivent savoir à tous les niveaux, et ça c'est la Constitution qui est la Bible, qui est notre référence, la loi de référence pour la gestion de la République. Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Les chefs coutumiers, ils sont là, on reconnaît leur entité, mais cette terre sur laquelle ils règnent, ils parlent de leurs aïeux, c'est vrai, mais ça appartient à l'État congolais. Et quand on parle de l'État congolais, on voit la loi. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de décider que les autres ne peuvent pas ceci ou cela. Tout le monde est au Congo, tout le monde est sous la même loi et même le chef coutumier il est sous la loi. Mais néanmoins, les sujets qui soient locaux ou visiteurs, ils doivent du respect à ce chef coutumier. Mais le chef coutumier ne peut pas se prévaloir que lui, c'est lui euh, l'alpha et l'oméga de cette terre. Non, c'est une terre de l'État. Donc il faut se mettre ensemble, essayer de gérer euh, les émotions et aller de l'avant. Revenons à la campagne électorale. Nous avons constaté avec regret que dans des groupes où nous retrouvons, tant politiques que communautaires, il y a des gens, des leaders qui sont tout simplement des suiveurs. Un leader, c'est quelqu'un quelqu qui doit être un proactif. Il ne faut pas suivre. Il faut montrer l'action. Et il y a d'autres là-bas, ils se disent, ils sont leaders, ils sont responsables d'un tel groupe, dans telle communauté. Ils sont là pour critiquer. Donc, ils n'ont aucune idée d'une proactivité, de commencer quelque chose. Ils attendent que les autres commencent pour qu'eux viennent pour dire pourquoi, pourquoi. On n'a pas à se justifier à qui que ce soit. Aussi longtemps que nous travaillons pour que le chef, pour que le président Félix-Antoine soit réélu, ça suffit. Toute action est acceptable. Et quand vous dites, tel candidat, puisque nous nous sommes chez nous, c'est la base euh, de, 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 de Félix, les autres candidats ne peuvent pas venir. C'est quoi ça Encore une fois, la loi doit punir, et c'est les gens comme ça, tous les candidats présidents, leur circonscription électorale sur la République démocratique du Congo. Et qui, pas de République démocratique du Congo, parle de 26 euh, provinces. Qui parle de la République de Monde du Congo, parle de 145 territoires. Qui parle de la République de du Congo, parle ou des tribus et des ethnies qui y sont. Donc, tout candidat a droit d'aller où il veut et quand il veut. Dire que non, tel candidat ne peut pas venir ici, tel candidat ne peut pas arriver là-bas, vous êtes qui Vous êtes qui Et il y en a qui parlent un très bon français pour dire qu'ils sont universitaires ou quoi, mais ils raisonnent comme ça. Tout le monde vient, allons nous battre dans les urnes. Quelqu'un vient chez vous, il vous parle, écoutez. Mais c'est vous, dans votre fond intérieur, vous savez qui est le candidat que vous allez voter. Il ne faut pas utiliser la force verbale ou la force euh, musculaire. Comme d'autres candidats, tout ce qu'ils parlent, c'est contre ce qui se fait là-bas. Nous acceptons, c'est la démocratie. La démocratie, celui qui est dans l'opposition, il croit avoir euh, euh, toutes les forces possibles pour renverser l'autre. Il dit, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait cela. Et nous savons que tant que le monde demande, personne n'a déjà fait un mandat réussi à 100%. Personne. Et comme je l'avais dit dans d'autres émissions, tout individu ou toute, toute femme, très belle qu'elle soit, elle ne peut offrir que ce qu'elle a. Nous avions Mobutu, il nous a laissé les éléments qu'il pouvait nous laisser, et nous les voyons à travers ces, ces œuvres-là. Nous avons euh, les deux Kabila qui sont passés. Ils nous ont laissé des éléments. Tout n'était pas négatif, tout n'était pas vraiment euh, euh, rose non plus. Mais ils ont fait ce qu'ils ont doivent, ils doivent partir. Félix ne viendra pas renverser la poussière. Il va nous faire quelque chose pour le développement de ce pays-là. Et là où il va arrêter, l'autre viendra prendre le relais. Quand quelqu'un peut prendre le, le micro devant la population, devant les Congolais, s'il vous plaît, dénigrer l'équipement militaire des Congolais, des militaires congolais, c'est grave. Tous les tomas, avions. Mais ce sont les avions achetés avec l'argent du gouvernement congolais. Les chars de combat, les uniformes, sont achetés avec l'argent du gouvernement congolais. Pour les Congolais et pour la défense du, du Congo. Mais toi tu viens dénigrer ça. Quel message tu donnes, tu donnes, aux ennemis? Que non, là c'est rien. Et pourtant nous, nous avons c'est tout, tout avion là que la, le Rwanda n'a pas, pas un seul. Tout les hélicoptère, nous en avons, le Rwanda n'en a pas. Mais alors au lieu de dire non, ok. Ce qu'ils ont fait, ça se limite là-bas. Moi, je vais faire aussi plus que ça. Au lieu de dire que non, ça, c'est rien. Ce n'est pas rien, puisque ça entre dans le cadre de l'équipement militaire. Et aujourd'hui, la bonne guerre, nous référons sur l'Ukraine et la Russie. Si c'était seulement la puissance militaire, pardon, donc le nombre de militaires, le nombre de chars de combat, la guerre en Ukraine serait déjà terminée. Mais c'est puisque maintenant, la guerre est technologique. Les Ukrainiens ont commencé à utiliser des drones. Et quand euh, Poutine s'est réalisé après que non, 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 la guerre, ce ne sont pas ces vieux chars de combat qu'il avait, ce ne sont pas des vieux avions de l'URSS qu'il avait, mais c'est une guerre maintenant technologique. Il est allé euh, prendre des milliers et des milliers de, de drones euh, euh, en Iran. C'était déjà trop tard, ces gens s'étaient déjà, déjà libérés d'une grande partie euh, de, de l'Ukraine. Donc la guerre, ce ne sont pas des gros, des gros avions que vous allez amener là-bas. La guerre, ce ne sont pas les, 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 les gros canons que vous allez donner là-bas. C'est la tête maintenant. Vous avez vu, quand on a amené les drones là, de, de, de la Chine, on a identifié où se trouvaient ces M23, on les a saccagés. Donc c'est-à-dire, éviter de démigrer, toute action à compromettre l'unité nationale. Faites la campagne, promettez ce que vous allez faire, ne dénigrez pas les bonnes choses qui sont sur terrain et surtout ceux qui sont liés à la sécurité. Donc dire que vous allez terminer la guerre dans quelques jours, tant mieux. Mais par quelle magie, vous le savez vous-même. Mais néanmoins, ne dénigrez pas les efforts qui ont été déjà faits. Ça c'est très important. Donc alors, je voulais encore insister sur la campagne que le président était Félix Tshisekedi il va s'aimer et nous, nous devons maintenant continuer à euh, entretenir le message dans des communautés après son passage. Et nous demanderons au grand connaisseur, quand quelqu'un initie un élément pour supporter Félix Tshisekedi, tu ça n'a rien à faire avec ton intelligence. Tu commences à poser des questions et tu cherches à dénigrer ce qu'on fait. Allons avec ce qu'on fait là, parce que toi, tu n'as rien proposé. Qu'est-ce que tu as amené à la table Qu'est-ce que tu as amené à la table pour que Félix euh, succède Nulle part. Alors, euh, chers amis, travaillons que nous puissions faire quelque chose, que euh, ce deuxième mandat lui soit euh, rendu. Nous avons constaté, en dehors euh, de quelques gens qui sont sur les réseaux qui parlent de Félix Tshisekedi, mais la plupart des gens qui sont dans des structures de l'UDPS, ils sont taciturnes. Donc, euh, silence radio. Quel est le problème? Donc, ils veulent que euh, l'élection passe, Félix est élu pour aller faire la ligne, qu'on soit nommé. Et quand on n'est pas nommé, oh, on a fait l'injustice, moi je suis dans l'UDP depuis, depuis, depuis. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-ci pour assurer euh, la réélection de Félix Rien. Donc, toujours des Français, toujours des Lingala, mais vous ne faites rien pour contribuer à ce que Félix soit réélu. Et quand il passe maintenant, oh non, moi j'ai fait ça, je fais Vous n'avez rien fait, actuellement, là, vous allez sur vous, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. J'ai fait ce tour-là, les deux derniers jours, comme je le disais. Ah ben, il y a beaucoup plus d'éléments de Katumbi que de Félix. Et tout ce qui est Félix, ce sont les Katumbi qui prennent ça pour déformer ça. Mais où sont les combattants Où sont les communicateurs Où sont les tshisekedistes pour prendre le message de, de Félix et essayer un peu de répandre ça dans son entièreté, au lieu de laisser ces gens-là qui transforment. Donc, quand on dit on ne veut pas de tel individu, on crie non, Moïbe, Moïbe, on a crié sur le gouvernement de Félix que ce sont les Baïbis. C'est faux. Ce sont les transformations. La façon dont on les avait dénoncés, quand ils prenaient les images, de fausses images, leur candidat va là-bas, il a 150 personnes. On vous prend des images de, de, de notre événement, on fait le collage, on vous dit non, non, il y a, il y a eu de. Quand on a dénoncé ça, ils ont arrêté de faire euh, ce mensonge-là. Maintenant, le mensonge est maintenant transféré euh, à la transformation de message de la foule euh, qui vient en grande quantité écouter le message de Félix. Ils vont prendre un seul message répondant à ce que Félix dit là-bas pour dire non aux aventuriers, à certaines personnes qui étaient des premiers ministres. Pendant leur règne, on n'a vu aucune action, si pas les histoires personnelles, l'enrichissement personnel. Ils étaient gouverneurs, enrichissement prof... personnel. Ils étaient mes premiers ministres, enrichissement prof... personnel. Ils étaient... Donc, c'est-à-dire, il y a des histoires. Quand on les dénonce, donc vous devez comprendre que ça doit être prise dans leur contexte. Il ne doit pas être prise dans la transformation. Je répète encore une fois, nous avons des candidats présidentiels qui étaient premiers ministres, qui étaient gouverneurs, qui étaient euh, associés d'une manière ou d'une autre euh, à la gestion du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait Tous sont sortis au bout de 4 ans, 8 ans, Très riches que les institutions qu'ils ont dirigées. Vous avez un individu qui devient très riche que toute une province. Vous avez un individu qui a beaucoup d'argent que le, euh, le budget du gouvernement. Mais nous sommes où là Nous sommes où là Ça, ce sont les éléments que nous devons utiliser pour persuader les gens que ces gens-là, ils veulent se moquer de vous. Ce sont eux qui étaient à la solde de votre souffrance. Bon, maintenant, quand Félix donne ce message euh, comme ça, les gens disent, mais yibi, Yibi, maintenant, les katumbistes de, de Kachobwe, ils vont couper ce morceau-là pour dire que non, on criait Moibi sur euh, euh, le chef de l'État. Et pourtant, c'est en répondant qu'il y avait les Miibis qui ont géré des provinces et des gouvernements. Donc, soyons omniprésents sur les médias sociaux. Pour chaque fois que vous voyez quelque chose euh, d'inexact, vous prenez ça. Vous prenez l'entièreté, vous mettez là-bas. C'est ce que nous faisons, mais ça ne suffit pas. Allez sur, seulement sur YouTube, vous allez voir, mettez la euh, campagne électorale en RDC. Voilà les nombres des images de chacun des candidats. Nous acclamons toujours dans les groupes. Oh non, en tout cas, il a fait plein. Il a fait plein. Mais est-ce que vous répercutez le message Il fait plein pendant une heure, deux heures qu'il est là-bas. Il est parti. Maintenant, le message, on récupère ça pour donner des négatifs. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, toi tu es contre Félix. Moi je suis contre Félix, j'ai fait quelque chose. Mais toi tu es là, tu ne fais absolument rien. Absolument rien. Pas même dans une radio, pas même dans une télévision où tu veux passer, tu ne veux pas vraiment qu'on te voie. Et tu veux t'associer à la réussite. Laquelle réussite? Donc tu n'étais qu'un passager, tu n'avais jamais fait un effort comme un chauffeur. Tu es dans une voiture euh, du côté passager. Et tu dis que non, en tout cas, le voyage était dur. Dur que tu, 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 as, tu as roulé Vous voulez que Félix réussisse pour vous dire, non, non, nous, aux États-Unis, on a fait ça. Non, nous, en France, on a fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait Puisqu'il y a absence totale de communication sur les réseaux sociaux. Nous voyons comment le président est en train de galvaniser la communauté. Les gens partent en masse. Les gens sont enthousiasmés. Mais maintenant, quand il passe, et après, qu qu'est-ce qu que nous en, nous en faisons vous voulez qu'il revienne encore, euh, continuer à parler à ces gens-là Il y a d'autres places où il doit aller. Il y a 26 provinces. Il ne doit pas aller et revenir, aller, et revenir. Donc, il doit couvrir toute la province. Et vous avez encore les gens qui sont dans sa suite. Ils ne communiquent pas. Ils vous donnent aussi des, des, des petites vidéos qui n'ont rien d'impact. Il faut mettre en relief ce que... Les gens peuvent écouter ce qu'ils doivent faire. J'ai été très enthousiasmé de suivre M. Lambert Mende, qui a parlé pendant 10 minutes des actions du chef, mais c'était palpitant. Et qu'est-ce que nous, nous faisons, nous qui sommes encore jeunes que Mende, nous qui sommes trempés dans les réseaux sociaux que Mende, qu'est-ce que nous en faisons Cacher nos visages, cacher nos voix pour condamner toujours, condamner toujours. Et d'autres qui sont de l'autre côté, ils commencent à donner des messages d'exénophobie. Oh, quand Katumbi arrive là-bas, il ne faut pas l'accueillir. Quand Katumbi vient là-bas, il faut faire la ville morte. Mon Dieu, mon œil. Laissez ces gens-là faire leur campagne tranquillement. Nous prenons un message euh, qui va donner de l'espoir à la population pour voter pour notre candidat. La guerre démocratique se fait dans les urnes cherchons à convaincre une grande masse possible d'aller dans les urnes et sanctionner ces, ces aventuriers-là. Ce n'est pas question de dire ne viens pas dans, 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 dans cette partie de, de la République. Qui êtes-vous Qui êtes-vous pour interdire les autres d'aller faire la campagne On est en train de tuer les gens au Katanga là-bas. C'est tout ce que vous dites. Oh, on nous tue là-bas, maintenant nous on ne doit pas accepter chez nous. Quel chez vous Il faut aller chercher les raisons qui fait que les, 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 les Congolais qui sont là-bas sont malmenés. Et il n'y a pas de bonnes raisons de toute façon. C'est la haine. Donc c'est une histoire qu'on a déjà plantée. Donc les maillons faibles, comme on dit, par les politiciens. Chaque fois quand on veut des en fait élections, au Katanga, c'est toujours Kassaya Katangay. Quand vous allez au Katanga, chaque année après les, les, les élections, c'est toujours Kassaya Katangay. Il y a même un fameux commissaire du peuple des Mouika, si les gens peuvent le connaître encore. Il a dit, mais pourquoi seulement le malheur du Congo doit venir du Katanga Chaque fois qu'il y a un problème politique ou un virage euh, des affaires politiques, c'est toujours le Katanga qu'on va utiliser pour bloquer le système. Non, nous avons grandi avec ces gens du Katanga. On a, et on a étudié ensemble. On ne savait pas qui est qui. On était tous des enfants, on allait à l'école ensemble, on travaillait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais quand on s'approche aux élections, oh, euh, biloulou, et, et, et allez chez vous. Mais dis, allez chez vous, faire quoi Puisque le Katanga, là, ceux-là qui, euh, qui avaient des parents qui ont travaillé à Jekamine, on appelait Changa-Changa. quest que veut dire Changa-Changa C'est-à-dire mélange, melting pot, où les gens venaient de partout pour... Un bien commun, le développement du Katanga. Il y a nos ancêtres, c'est-à-dire nos, nos, les parents de nos parents étaient au, au, au Katanga vers les années 1918-20. Ils étaient déjà là. Ils sont restés là-bas, ils sont morts là-bas. À cause des sueurs de leur front, le Katanga est ce qu'il est aujourd'hui. Mais comment vous allez leur dire, euh, dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, rentrez chez vous Chez eux, c'est où ils sont nés, au Katanga, grandis au Katanga. Ils n'avaient jamais foulé leurs pieds euh, au Kassai. Et ils partent là-bas, ils ne savent même pas communiquer dans, euh, dans la langue du, du Kassai. Donc cette histoire doit cesser. Un message de division doit cesser de deux côtés. Katumbi, on l'a accepté comme candidat euh, président, il a droit à sillonner tout le Congo au même titre que le président Félix Tshisekedi. Maintenant, nous, qui sommes derrière Tshisekedi, nous devons maintenant aller vers la population qu'ils ont sanctionné Katumbi dans les urnes. Katumbi n'est pas euh, vraiment immaculé. Les gens comprennent, les gens qui sont en Katanga, ils savent ce que Katumbi a déjà fait. On ne peut pas dire qu'il est, il est vraiment diable, non. Il a des histoires qu'il a fait qui font qu'au niveau de la province, ce qu'il a fait... Et si on l'amenait au niveau de la nation, ça sera pire. Son chef, Kabila, a dit clairement que depuis qu'il est là, pendant les 10 ans qu'il était là avant les 18 ans, il a dit clairement que c'est seulement le Katanga qui a eu beaucoup d'investissements. Pas des millions, pas un milliard, des dizaines de milliards de dollars étaient pompés au Katanga pour le développement du Katanga. Et à sa grande surprise, c'est un seul individu qui s'est enrichi et il n'y a pas de millionnaires au Katanga. Il avait dit ça, ce n'est pas nous. C'est un message qu'il faut dire aux gens. Que si ce monsieur, dans les 10 milliards ou 50 milliards qui étaient pompés au Katanga pendant 8 ans qu'il était gouverneur, n'ont pas eu d'effet. Sous la population katangaise. Et quand vous allez donner ce mandat au niveau national, et vous croyez qu'il va transformer la vie des 100 millions de Congolais. Il n'a il il pas fait pour 7 millions de Congolais, mais vous pensez qu'il va réussir à faire ça avec 100 ou 102 millions de Congolais Voilà le message qu'il faut faire passer. Ce n'est pas l'interdiction, la discrimination qui va faire ça. Il est en train d'attaquer le président Félix. Et lui il dit non, il vous a promis qu'il viendra euh, s'installer euh, euh, au Kivu. Est-ce qu'il est venu Moi je viendrai. Mais vas-y. Félix a des raisons qu'il n'est pas allé là-bas puisqu'il a trouvé des problèmes très sérieux au pays. Alors il a dit non, je ne peux pas privilégier un côté et laisser autres côté. Donc c'est-à-dire je vais mettre l'état-major à, à, à l'est qui me donneront des, des rapports. Et chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, je vais donner. Et il a fait. Je, il a dit, non écoutez, nous avons une armée infiltrée, une armée hétéroclite où vous avez les gens au top, capitaine, major, lieutenant et général, ce sont des gens-là. Donc quand vous amenez les jeunes gens au front, eux, ils vont, ils vont vendre déjà les, les positions. Quand ils avancent là-bas, on les tue. Non, Félix n'est pas là pour, pour compter les cercueils. Il a choisi de faire la politique, de la diplomatie avec euh, ces sanguinaires de Kagame, qui n'a pas compris. C'est quelqu'un qui ne qui comprend que s'il y a le sang qui coule. Alors Félix a compris. Il a formé maintenant des jeunes gens. Félix a compris que non, pour réussir avec ces sanguinaires, donc je dois former les militaires congolais, le sang congolais. Nous sommes en train de former et ça monte en puissance. Et il faut tout faire. Ces gens-là qui vendent le, le, le plan de guerre, il faut les mettre hors d'état de nuire. Quand l'armée sera homogène, une armée purement congolaise, maintenant nous allons envoyer les jeunes là-bas pour aller chercher ces euh, hypocrites de la communauté internationale qu'on appelle euh, RDF, donc euh, Rwandan Defense Force. Et les gens de sont venus là-bas, qui sont en train de bouger les bornes. Donc, le temps viendra où nous allons envoyer nos militaires, pas avec des gros avions. Nous allons envoyer nos propres militaires, le jeune militaire bien formé, avec l'agent du gouvernement, avec la vision de Tshisekedi. On va les envoyer au front. Ils vont marcher de Massisi ou bien de Goma jusqu'à Kigali. Donc Moi, je voudrais que les gens comprennent. Ne suivez pas les tralala que le monsieur là il vous parle et il ne sait pas de quoi il parle puisqu'il a discuté d'abord des langages dans toutes euh, euh, les langues il ne sait pas s'exprimer convenablement. Alors, il vous dit des histoires que lui-même ne comprend pas ou il vous dit des histoires que vous, vous ne pouvez pas comprendre, mais lui seul comprend. Alors, c'est difficile quand le langage n'est pas euh, fluide, donc il n'y a pas communication, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule personne qui connaît ce qu'il pense, qui connaît ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas. Donc il n'y a pas de communication. Puisque vous, vous ne recevez rien, vous ne pouvez pas non plus envoyer le message. Vous allez envoyer, oh non, non, écran. Bon, écran, et après Nous allons là-bas pour parler des affaires du pays, pas de football. Pas l'histoire de football. Il y a un temps pour chaque chose. Actuellement, là, actuellement où nous parlons avec vous, c'est d'abord le pays. Et qui parle le pays Voit la sécurité. Celui qui est, qui est là-bas, il parle euh, développement, il parle économie. C'est ça un bon chef. Tu vas là-bas avec les gestes de football. Attends, quand nous allons prendre le pouvoir, on va vous laisser le temps d'organiser les équipes. Donc voilà le message que les gens là qui veulent que Félix prenne un second mandat doivent sortir dans les médias. Suivez même les médias à Kinshasa. Il y a absence des gens de euh, l'union sacrée. Essayons un peu de nous mettre debout. Quand Félix passe, vous organisez un comité de campagne, un comité qui va parler et sensibiliser jusqu'au 20 décembre. Quand il part, vous laissez un vide, vous laissez ce vide-là pour les autres. On dit, euh, la nature a l'horreur du vide. Au lieu de commencer à vous battre vous-même sur différents réseaux sociaux, allez faire le travail. Nous ne sommes pas au moment de nous battre entre nous, de discuter entre nous. Nous sommes au moment de supporter Félix, que chacun le fasse de sa manière. Que chacun. Il ne faut pas dire à l'autre pourquoi tu fais ça. Non, non, ça c'est pas ton problème. Lui, il pense que c'est sa façon de faire pour aider Félix. Laisse-le faire. Fais aussi pour toi. Sois proactif. Ne sois pas inspecteur. Ne sois pas moraliste. Donc, euh, chers amis de la VDC, euh, de Macolo Digital Radio-Télévision, j'ai été un peu plus long, mais je voudrais seulement vous signaler que nous sommes à un moment très important où nous, nous avons besoin de tout le monde, que chacun dans son coin fasse ce qu'il peut faire, pas critiquer les, les amis, pas euh, donner la morale aux autres, mais sachez ce que vous faites. Faites quelque chose qui va ajouter. Un, un de plus à Félix dans sa campagne que la division, que on le sache que non, ce sont les gens de, ses, de, 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 de sa famille politique, de son ethnie qui ont fait ça. On n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de gagner pour l'unification. Donc, nous devons rassurer tout le monde que nous devons rester dans l'unité. Nous devons rassurer tout le monde que le Congo sera sécurisé et chaque Congolais doit être en sécurité et leur bien. Et enfin, c'est seulement après avoir réuni ces deux conditions là-bas qu'il y aura... La prospérité, les développements. Alors, euh, merci donc euh, pour tous ceux qui nous aviez suivis du début jusqu'à la fin sur votre serviteur Don Kayembe. À la prochaine et entre-temps à demain. Ciao